fait là, vous avez déjà fait la voyance, les gars, vous avez déjà fait la voyance. Quelle voyance, qu'est-ce? Les cartes, la lecture des cartes. Ah, les cartes de la destinée, si. Si, voilà. Rosa, c'est une spécialiste, elle voit beaucoup. Rosario, c'est toi Bon. Chouafa? Eh, si, c'est moi, oui. Donc le problème, je te disais, c'est que j'ai une opération là qui va se mettre en place, tu vois. Oui. Et un gros, 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 gros braquage. Et j'ai besoin que tu vois un petit peu comment ça va se passer. C'est bon. Ok. Et je vais pas te reposer les questions là. Ouais, c'est bon, j'ai retenu la leçon, j'attends de faire les choix. D'ailleurs, toutes mes journées là, c'est que des choix. Maintenant, à chaque fois que je fais un choix, je pense à toi. C'est bizarre. Tu hantes mes journées maintenant. Aïe, 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 oui. Et regardez-moi ça. C'est Les quoi? C'est nefs quoi? de... Je regarde. Ok, donc Les voilà. nefs de C'est quoi? que Les j'en nefs dis, de c'est quoi? que j'en dis. C'est le positif. C'est-à-dire que dans tout ça, effectivement, il va y avoir du bien et du moins bien dans toute l'histoire. Tu vas en tirer des choses positives, ça c'est certain. Je pense que ça nécessite de l'organisation. Je vois un problème durant la préparation, durant peut-être l'application, je ne sais pas. Je vois pas une trahison forcément, mais je vois le fait qu'il va falloir te séparer, toi ou ton équipe ou les gens avec qui tu le fais. Il va falloir se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Il va y avoir quelque chose d'assez douloureux. Voilà. Je vois ça, comme une rupture, tu vois, quelque chose de douloureux, une séparation difficile, un choix à faire difficile, mais tout le reste, les cartes, elles me disent, avance, fonce, voilà, tu vas tirer profit. À partir du moment où tu fais vraiment les choses bien, que tu y vas au rythme qu'il faut, tu avances dans la bonne direction, tu vas pouvoir tirer et profit de ce que tu vas faire et je pense que oui, ça va bien se passer, les braquages du casino. Tu vois, je vois même là, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la carte du nouveau départ suprême. Tu vois, c'est vraiment la carte qui te dit, il y a les opportunités, saisis-les, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Ok, Vraiment, hein, donc vraiment. je fonce dedans alors. Et attention, tu fonces avec la réflexion, hein? Tu fonces avec le Ouais, bien sûr. cerveau, hein? Oui. Bien sûr, Voilà. t'y N'oublie connais pas rien. qu'il faut prendre du recul. Il y aura un moment peut-être à te dire quel est le vrai, quel est le faux. Il y aura un moment difficile. Il y aura un moment, tu vois, hein? D'accord, Ça hein? me rassure tout ça. Ok. Les mousses vont pouvoir s'enrichir, hein? Bah écoute, si j'ai réussi mon cours, tiens, t'auras ta petite part. Ok? T'auras ta Oh, petite oui. part. Faut être généreux avec moi, les mousses, hein? Je vais enfin pouvoir me payer Connais, je une connais ça. petite moto, tu crois? Oh, qui sait? Qui sait? Si j'arrive à faire mon coup, je peux te dire là. On parle quasiment des millions là. Hein. On parle Oui, quasiment des millions oui, là. Ah ouais, une petite moto, je te l'offre ta moto. Je te l'offre Il ta a dit moto là. si j'y arrive. Je te Ah, et l'offre. grâce à ça, ben écoute, je vais. Vraiment, je vais prier la muerte pour qu'elle soit avec toi et qu'elle te guide, hein? Qu'elle t'apporte la force du guerrier qui est en toi, hein? Tu crois pas si bien dire. Fait, tu vois, là, dans le business, j'ai besoin de faire un choix. Tu vois, j'ai des Si? partenaires actuellement. Il y a un partenaire qui veut se rajouter. Il y a un partenaire qui veut se rajouter dans le business, tu vois. Et Oui. je veux savoir est-ce que ce partenaire-là va être productif pour l'avenir ou pas. Est-ce qu'il est possible que je travaille avec lui? Est-ce que ça va être une bonne relation et tout? Les cartes. Et le respect de la chérouva, sinon, tu sais quoi, la Santa Muerte, elle va venir te chatouiller les pieds cette nuit. Si tu as froid aux orteils, tu penseras à moi, Bien, d'accord? bien, bien. Écoute, ça m'a l'air pas mal, hein? Et laisse-moi regarder. Alors, je vois que pour aboutir à cette situation, déjà, tu as décidé de faire confiance. Tu as décidé de faire confiance à ton instinct, je pense. Voilà. Ouais. Et visiblement, c'est une bonne chose. Voilà. De Une quoi? fois de plus, tu vois, et pourtant, et tu les as vus, hein, je les ai battus, rebattus et rebattus. Nous avons les chars. Et les chars, vraiment, c'est la carte positive. C'est la carte qui te dit, vas-y,
avance, tout peut y aller. C'est le moment d'avancer avec confiance, c'est le moment d'y croire. Donc vraiment, je pense que là, et tu peux faire confiance à ces personnes, ça va être bénéfique pour toi, vraiment. Et même si à un moment donné, tu auras l'impression de perdre le contrôle sur la situation, eh bien non, pas du tout. Les contrôles, tu l'auras toujours. Il faudra juste que tu te fasses confiance. Voilà. Ce que je peux te Ok. dire en tout cas, c'est que tu as pris une bonne décision. Ok, donc ça veut dire que la décision que j'ai dans ma tête vis-à-vis de ces personnes-là, il faut que je reste dessus, c'est ça? Eh oui, le fait que tu m'as dit, le fait que tu as décidé de faire rentrer des personnes dans ton business, hein, c'est ça, hein, voilà, hein. Ouais, Eh c'est bien, c'est ça. la bonne décision, oui. Non, parce que dans ma tête, c'était de ne pas les faire rentrer, justement. Ah bon? Ouais. Parce que là, en fait, bon, je vais te le dire, hein, mais le business, c'est le business d'un quartier, des Los Lobos. Ils Eh sont venus me si? voir, tu vois, et ils m'ont dit, ouais, Mousse, on veut travailler avec toi maintenant, pour Et si, ben, tu travailler sur m'avais la côte et demandé, tu tout. m'avais proposé, hein? J'ai réfléchi, tu vois. Et là, les cartes, ils disent quoi? Les cartes, ils disent quoi? Réellement, ça veut dire. Est-ce qu'ils disent qu'on travaille ensemble? On On travaille bégaye, hein, maintenant. ensemble. Mais pas du tout que ça bégaye pas. Je te l'ai dit d'avancer. Donc, pour moi, avancer, ça veut dire, moi, je les ai tirés en pensant que tu parlais d'une relation commerciale qui était établie et que tu voulais savoir si tu avais pris la bonne décision, Ouais. de le faire. Voilà. Ouais. Donc, si c'est le cas, je t'ai dit, tu fais bien. Voilà, c'est tout. Ok. Ok. Mais là, sur les cartes, si c'est Si. Rosa maintenant qui parle et pas la chouette. C'est une bonne chose, soit, de faire du business avec toi. Tes gars, ils sont à fond sur la mette. Les Ils sont à fond mousses, sur la mette. bien évidemment. L'opportunité que tu offres au Lobos, c'est une grande chose pour toi et pour nous. Tu ne la Penses quoi, regretteras toi, pas. Kamel? T'en penses quoi, Kamel? Parce que là, j'ai deux gars, ça fait 1 heure et demie que j'étais en réunion, j'ai les crânes. Disons que j'ai un gros crâne, mais là il est vraiment bien gonflé. Ils ont réussi à mettre dans le crâne que tu devais pas bosser avec vous. Oui. Et là, c'est toi Oui, la mais c'est qui? chouafa. C'est ceux qui seront en concurrence avec nous, du coup, pour les business, non? Après, ils ont pas ton talent, ça, hein, c'est sûr, ils ont pas ton talent de voyance. Hein. Ils n'ont C'est le pas fait moins qu'on des peut études de dire. chouette, ils n'ont pas fait tout ça. Toi, t'es compétent, Rosa. Eux, ils ont le talent du terrain, toi. Toi, t'as le Les talent, talents du voilà. terrain. Alors, si on parle des mêmes, ce sont ceux qui nous ont dit, ouais, vous êtes trop forts, on arrête la guerre, non? Ouais, ils me disent de pas vous faire confiance, qu'en fait, là, ils vont vous détruire, ils vont. Eh bien, écoute, c'est toi qui es au-dessus, tu verras bien lequel détruit l'autre, non? Ok. Bah écoute, ouais, je vais me laisser, je pense que je vais me laisser jusqu'à jeudi, vendredi, je pense la fin de semaine, pour prendre une décision et voir si vraiment les Los Lobos. Je suis en capacité de travailler avec eux. Mais un Dis-moi. petit indice que tu pourras transférer Eh, à c'est tes bien gars. sûr. La condition principale, c'est qu'ils gardent des rentés. Ok? Mais bien Des sûr qu'on rentés les de la garde, on plage. les a. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je te le dis, avant de parler autre chose, etc., c'est aussi on va parler force de frappe. La force de frappe, aujourd'hui, vous l'avez, c'est pas sûr que vous l'ayez encore en fin de semaine. Et disons que quand je vais revenir vous voir, il vaut mieux que vous ayez encore cette erreur-là. Tu peux compter sur nous. Je devais Ok. voir Altréo, je crois ton père, c'était ton père, Altréo. Ouais, je devais le voir, mais disons que tu vas pouvoir lui passer le message. C'est bon, c'est clair pour toi ou pas? C'est clair pour moi, c'est. Me suis levé pourquoi j'ai Si, mais ferme accepté ta bouche, alors. que la fête foraine, je vous la donne, c'est parce que vous m'attaquez tous les deux en même temps. Et je l'ai dit à Fontanière, ça aurait pas été les deux en même temps, il n'aurait pas accepté. Donc s'il est ouvert, ont les couilles de revenir sur l'aéroport, et puis qu'il D'ailleurs, vienne voir. la fête Ah foraine, bah vous quoi, leur laisse-moi juste l'avez mourir pas là. donnée, vous l'avez Bah vendue. quoi, viens ici. Non, Elle a été donnée, ils étaient à deux sur Ok, nous.
Allez, ils étaient à deux sur nous, vas-y. Vas-y, va combattre, on va récupérer ensemble. C'est... Ils ont dû venir à deux pour la prendre, sinon... Oui, sinon, mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont accordés hier au Bahamas. Du coup, il y a l'équipienne et les movers qui sont mis à deux contre nous. Moi, pour moi, c'est une alliance à vue. Parce qu'on a, d'une partie, on a l'aéroport, on avait la fête foraine. Ils ont dit quoi? Soit tu nous passes la fête foraine, soit on attaque en même temps, à la même heure précise, ton aéroport et la fête foraine. Du coup, ça veut dire que je suis obligé de faire un choix. Ah. Et forcément, sur le choix, je vais perdre des armes et je vais perdre un terrain. Parce que je peux pas me split. Ok. T'as vu, c'est vraiment une technique d'enculé. Ça me laisse pas. Pour moi, c'est une alliance, hein. Tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ah, s'ils sont deux, ça, logiquement, c'est une alliance. Bah, hein. Oui. Donc, il y a ça. C'est une alliance. Et vous, là, ça dit quoi, les Oslobos? Vous avez des embrouilles un peu en ce moment? Eh, ma foi, comme d'habitude, hein. Oui, mais en général, ça se règle assez rapidement. Hein. Par contre, j'ai entendu un truc. Ah oui, vraiment? Ah ouais, j'ai entendu un truc sur vous. Aïe, 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 dis-moi, c'est quoi encore la rumeur? Ah, y'a pas de rumeur, c'est réel. Ah, vous oui? Cédez des terrains à la parole, j'ai pas compris, hein. Je te le dis. Eh, que? Ouais. Les Los Lobos ont donné un terrain à la parole. Voilà. Ils se sont pris un coup de pression à la parole, ils ont donné un terrain. Incroyable. Comme on m'a dit ça, j'étais bluffé. Écoute, je vais te dire un truc, hein. Dis-moi. Et je n'ai pas envie de parler de ça. Ouais, je te comprends. Après, comprends, sache hein. Que malgré tout, la pression, elle était réelle et importante. Après, tu sais, dans la rue, il y a des grands, il y a des petits, tu vois. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être petit, t'as vu? Eh non, bien sûr. Hein. Il voilà, en faut, hein. Il en faut des petits. C'est. Il en faut des personnes qui pleurent pour le goûter. Mmh. C'est là-bas. Après, tu parles pas de nous quand même, et on part pas pour les goûter, hein. Ah non, bah, après, c'est ce qu'ils se disent dans la street, hein, écoute. Bah oui, c'est ce que dit la street, hein, voilà, hein. Bah, ça dit comme quoi que vous êtes des petits et que vous avez accepté votre terrain avec juste un coup de pression à la parole, hein. Tout le monde le sait, toute la ville le sait. Là, les Los Lobos, ils ont perdu en influence hein, dans la rue. Hein. Ma foi, on la regagnera, non? C'est quoi le nom de ton daron? Et Adreo. Ah ouais. Putain, je vais l'appeler. Si. Ouais, Witsi, ça va ou quoi? Quoi, pourquoi tu rigoles? Ouais, tranquille, je suis avec ta fille. On est sur un yacht. On boit un petit cocktail. Ouais, t'inquiète pas, je lui sers le meilleur des cocktails. Ouais, d'Ivoire 8-6. Apparemment, là, t'as perdu un terrain pour un pack d'Heineken. T'es sérieux, quoi? Ah, mais ça, je savais pas, ça, moi. Ça, je savais pas. Et tu vois, la roue, elle te dit pas tout. Ah, ouais. Eh, ouais. C'est pour ça, la pression, elle était forte, hein. What's up? Ouais, fiston, ça va ou quoi? Et apparemment, ça veut attaquer des terrains à deux, bombes de petites putes. Arrête. Vous avez été voir les Los Lobos avec deux gangs. C'est comme ça, la vérité. Parce que moi, je me suis dit, vas-y, ils l'ont eu à la parole en mode banal, tu vois. Non. Non, mais vous y allez à deux gangs en disant, vous allez taper en même temps sur chacun des terrains. C'est ce qu'il s'est dit. De quoi? Mais le but, c'est pas d'attaquer des suceuses qui marchent ensemble pour un putain de terrain. En disant, ouais, à un gang. Mais gros, tu rigoles ou quoi? Il y a deux gangs qui vont voir un gang en lui disant, on va attaquer au même moment. C'est moi ce qui t'a envoyé. Mais d'où tu... Mais attends, réfléchis, fiston. Réfléchis. Ça se fait dans la rue, ça? Ouais, vas-y. Je raccroche à sa gueule parce que sinon je vais le marbrer celui-là. Ouais, Mousse. Ça va ou quoi? Tranquillement? Ouais. Eh, hey, Divar, je t'appelle là. Les Los Lobos, ils avaient un terrain. C'est toi qui as dit au gang de taper en même temps sur deux terrains différents? Mais c'est des salopes.
Non mais t'inquiète, de toute façon là ils vont être là ils étaient en 2-1, ils vont se retrouver en 3-2, ils vont comprendre ce que c'est. Je te le dis, les trucs comme ça là, les trucs de salope à venir à 2 contre 1 là, c'est ça, c'est des petites putes ça. Ça c'est tu vois, tu veux que je te dise, ça c'est une association ça. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est une alliance. À part les gangs concernés, est-ce que les autres vous pensez normal qu'on attaque un ennemi à 2 à la même heure sur 2 terrains différents? C'est pas carrément des salopes. Vraiment pas. Voilà, on est d'accord. Minimum d'honneur, sinon vous avez rien à foutre dans la caille. À l'issue de ce rendez-vous, vous allez vous rencontrer Los Lobos et ton gang sur le terrain, avec le sang et les armes. Et on va voir qui est qui. Là, on préfère ça. Laissez voilà. Votre cœur parler pour joindre la Santissima. Mi Santissima Muerte Querida, mi Niña Negra Adorada, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas continuer à faire pour nous. Éclaire notre chemin, supprime les agressions, les obstacles et les limites, afin que nous continuions à progresser librement vers le bonheur et la prospérité. Te ruego especialmente, Niña, resuda de mi corazón. S'il te plaît, ne laisse rien ni personne me faire du mal ou faire du mal à ma famille. Et montre à ceux qui essaient de faire du mal ce qui se passe quand quelqu'un ose menacer un enfant protégé et protecteur de la patrona. Fais en sorte que nos ennemis renoncent à être des ennemis et s'ils insistent pour être des ennemis, avant même qu'ils ne puissent essayer de faire quelque chose contre nous, faites qu'ils sentent dans leur peau et dans leur vie 10 fois les mals qu'ils veulent nous faire. Esto te pido, mi santissima muerte de mi vida, entregandote mi devoción absoluta, que así sea, con tu bendición, quédate conmigo y tenme siempre contigo. Amen.